Septembre 1956, les chars soviétiques entrent dans Budapest et répriment la révolte hongroise. Les protestations des pays occidentaux manquent de cohérence. La France et l'Angleterre sont elles-mêmes enlisées dans leurs propres difficultés, la reconquête du canal de Suez sous contrôle égyptien. Pendant ce temps, la principauté de Monaco vit un véritable conte de fées. Le prince régné épouse l'actrice hollywoodienne Grace Kelly. Une autre star des États-Unis, Elvis Presley, envoûte la jeunesse américaine au rythme de sa musique endiablée. La prospère station balnéaire d'Eastbourne, en Angleterre, connaît soudain un bouleversement d'un tout autre genre. À cette époque, Eastbourne est le lieu de villégiature privilégiée des retraités fortunés depuis déjà plus d'un siècle. Mais le jeudi 26 juillet, cette ville respectable est ébranlée par des nouvelles stupéfiantes. La police mène une enquête sur la mort de l'un de ses habitants, les plus riches et les plus célèbres. Madame Gertrude Hulette, qu'on appelait le plus souvent Bobby, vient de décéder. Selon toute évidence, sa mort est la conséquence d'une overdose de médicaments. Bobby Hulette, âgé seulement de 49 ans, était en cure pour se rétablir d'une dépression causée par la mort de Jack, son deuxième mari. L'année précédente, le docteur John Bodkin Adams avait soigné ce dernier avant son décès, dû à des complications à la suite d'une intervention chirurgicale bénigne. En 1951, Bobby avait épousé Jack Hulette, un homme d'affaires richissime. Vive d'esprit et très appréciée, elle était rapidement devenue l'un des points de mire de la haute société d'Eastbourne. Le docteur Adams avait déjà suivi Bobby lors d'une dépression précédente survenue à la suite de la mort de son premier mari. C'est lui qui l'avait présenté à Jack Hulette. En 1954, Bobby avait ouvert le défilé d'élégance d'Eastbourne, l'un des événements mondains les plus importants de la saison. Cependant, à la suite de la mort de son mari, le monde extérieur avait cessé d'exister pour elle. Elle se mit à prendre de puissants tranquillisants. Plusieurs faits étranges furent révélés au cours de l'enquête judiciaire. Le 22 juillet, le docteur Adams avait téléphoné au coroner pour lui demander d'effectuer une autopsie privée sur l'une de ses patientes. Lorsque ce dernier lui demanda la date du décès de la patiente, il apprit avec stupéfaction qu'elle était encore en vie. Bobby Hulette mourut le lendemain. Parmi ses amis, nombreux furent ceux qui rejetèrent la thèse du suicide. On apprit que 3 jours avant sa mort, Madame Hulette avait révisé son testament et qu'elle avait légué sa Rolls-Royce au docteur Adams. Les experts médico-légaux examinèrent à 3 reprises la dépouille de Bobby Hulette. La dernière fois, ce fut l'expert pathologiste britannique, le docteur Francis Kempis, qui conduisit l'examen. S'appuyant sur les différents rapports, le jury conclut à l'unanimité que Bobby Hulette s'était suicidé en absorbant une dose massive de somnifères. Cependant, on apprit que Scotland Yard menait une enquête sur la mort de plusieurs personnes âgées fortunées. La presse se mit à spéculer. Les détectives, mais aussi les reporters, découvrirent que Bobby Hulette n'était pas la première patiente du docteur Adams qui disparaissait soudainement en lui laissant des biens. Le docteur avait acquis une excellente réputation grâce à sa conduite discrète et respectueuse envers les vieilles dames fortunées, malades et alitées. Bon nombre de personnes enterrées dans les cimetières d'Eastbourne s'étaient souvenues du docteur Adams lors de la rédaction de leur testament et lui avaient fait des legs importants. L'affaire fait bientôt les gros titres des journaux. Alerté par des fuites maladroites de la police, le Scotland Yard enquête sur un empoisonnement de masse. 25 morts dans le grand mystère d'Eastbourne. Et enquête sur 400 testaments, victimes présumées, les femmes fortunées. Seul un journal, le Daily Express, s'insurge contre ces pratiques, rappelant qu'un homme est présumé innocent tant qu'il n'a pas été jugé. Percy Hoskins, le correspondant des affaires criminelles de ce journal,
trouve révoltant les articles publiés par ses confrères qui impliquent le Dr Adams dans l'affaire. Pendant plus de deux mois, l'inspecteur de police principal, Herbert Annan, qui dirige l'enquête, ainsi que l'inspecteur Charles Hewitt, interrogent des dizaines de personnes et contrôlent les recherches sur les décès et les testaments de centaines de patients remontant jusqu'à 20 années en arrière. L'enquête révèle au total 132 testaments rédigés au bénéfice du Dr Adams, lui laissant en tout une fortune de plus de 45 000 livres. La plupart des personnes décédées avaient été incinérées. Dans certains cas, le docteur n'avait pas réclamé son dû. S'il l'avait fait, une autopsie aurait dû être effectuée. La police exhume le corps de trois de ses anciens patients décédés brusquement, lui laissant des biens considérables. Début octobre, l'inspecteur Annan, passant par hasard devant la maison du docteur Adams, engage la conversation avec ce dernier qui était en train de garer sa voiture. Au cours de la discussion, Annan lui demande d'expliquer les irrégularités des certificats d'incinération. Le docteur Adams répond « Il n'y a là-dessous aucune mauvaise intention. Nous faisons toujours en sorte que les incinérations soient le moins pénibles possible pour les parents proches du défunt. » En dépit de ses bonnes intentions, la police dresse un tableau d'ensemble plutôt sombre de l'affaire. Dans le meilleur des cas, le docteur Adams est un chasseur de testaments, avide et cupide. Né en Irlande du Nord, le 21 janvier 1899, il grandit parmi les tensions qui allaient mener à la division de l'Irlande peu après la Première Guerre mondiale. À la fin de la guerre, Adams s'inscrivit à la faculté de médecine de Queen's à Belfast. Il y laissa l'image d'un étudiant solitaire qui réussit à décrocher son diplôme haut la main. Après l'obtention de son diplôme, Adams se mit à la recherche d'un emploi en Angleterre. Il commença à travailler dans un grand cabinet médical à Eastbourne, où il s'installa en 1922 avec sa mère et sa sœur. Totalement dominé par sa mère jusqu'à la mort de celle-ci en 1945, il ne se maria jamais. Il rompit ses seules fiançailles parce que la jeune fille ne plaisait pas à sa mère. Il était passionné de voitures de course, ce qui lui permettait d'échapper à la présence envahissante de sa mère. Au début des années 30, il était devenu l'un des docteurs les plus en vogue d'Eastbourne. Il devint médecin-chef du cabinet et finit par employer trois autres praticiens. Il s'était spécialisé dans les soins aux personnes âgées fortunées, nombreuses dans cette ville au climat tempéré du comté du Sussex. En 1935, un vent de scandale souffla sur la ville. La famille d'une veuve qui venait de décéder tenta d'empêcher le docteur Adams de toucher les 3000 livres qui lui revenaient selon le testament. Le médecin poursuivit la famille devant le tribunal de grande instance et gagna le procès. Mais les premières suspicions émergeaient. Il est vrai que le docteur Adams avait des goûts de luxe qui nécessitaient des ressources importantes. Ses costumes étaient faits sur mesure chez Savile Row et ses fusils fabriqués tout spécialement chez Purdey's. Il appartenait à un club de gourmets. Fin novembre 1956, l'inspecteur de police Annan et ses hommes se rendent à Ken Lodge, la maison du docteur munie d'un mandat de perquisition contre la détention illégale de substances dangereuses. Le docteur Adams affirme qu'il ne conserve pas de notes sur les médicaments qu'il utilise, mais il est obligé d'admettre que la liste élaborée par la police avec l'aide des pharmaciens du quartier est exacte. Cette liste révèle qu'il a prescrit une quantité considérable de substances pharmaceutiques à Edith Morel, la veuve d'un homme d'affaires richissime de Liverpool. Celle-ci lui avait fait don de sa première Rolls-Royce. Il admet lui avoir administré presque la totalité des produits, mais qu'est-il advenu du reste? À cette question, il ne fournit aucune explication. Le docteur Adams est accusé devant le tribunal d'Eastbourne d'avoir falsifié 13 certificats d'incinération et de ne pas avoir fait de rapport sur les produits pharmaceutiques auxquels il a eu recours. On lui accorde la mise en liberté sous caution, mais on lui retire son passeport. Finalement, le 19 décembre 1956, et devant une foule de journalistes, il est arrêté à Kent Lodge et inculpé de meurtre sur la personne d'Edith Morel. Abasourdi et déconcerté, Adams finit par déclarer « Meurtre, meurtre, je ne pensais pas que c'était possible de le prouver. » De toute façon, elle était sur le point de mourir. D'abord incarcéré à la prison de Brixton, il est convoqué à Eastbourne en janvier 1957,
afin d'y être jugé. L'accusation est menée par l'avocat de la couronne, Melford Stevenson. À la surprise générale, les magistrats lui permettent d'associer le cas Morel au décès du couple Hulett, assimilant ainsi le docteur Adams à un empoisonneur récidiviste. Melford Stevenson s'appuie sur le témoignage d'une infirmière qui affirme avoir vu le docteur Adams donner une dose mortelle de morphine à Madame Hulett. Cette intervention est d'autant plus surprenante qu'aucun chef d'accusation ne pèse alors sur Adams dans l'affaire Hulett. Confrontés à ces faits, les magistrats décident de passer le docteur Adams en jugement, ce qui n'a rien de surprenant étant donné les circonstances. Mais déjà, le procès Adams et ses implications commencent à déranger certaines personnes. Les médecins, comme n'importe quel citoyen, n'échappent pas aux pulsions criminelles. L'un des cas les plus célèbres de ce siècle fut celui du docteur Ole Harvey Crippen qui, en 1910, empoisonna sa femme. En 1935, un autre cas fit la une des journaux du nord de l'Angleterre. On découvrit deux cadavres découpés en morceaux qui s'avèrent être les corps de la femme et de la nurse du docteur Buck Ruxton. Dans ces deux affaires, le doute n'était pas possible. Il s'agissait bien de meurtre. Le doute non plus n'était pas permis lorsqu'en 1954, on arrêta le docteur Sam Shepard pour le meurtre de sa femme. On ne sut jamais si ce crime avait été l'acte d'un intrus ou celui du docteur, mais il s'agissait bien d'un meurtre. Sam Shepard fut condamné à la prison à perpétuité. Cependant, 10 ans plus tard, la Cour suprême des États-Unis annula sa condamnation et ordonna un nouveau jugement. Cette fois-ci, il fut déclaré innocent. Curieusement, un cas similaire se produisit quelques années plus tard, toujours aux États-Unis. La femme et les enfants d'un médecin militaire, Jeffrey McDonald, furent assassinés apparemment par un intrus. McDonald fut inculpé des meurtres, mais la cour martiale le déclara non coupable. 10 ans plus tard, il fut à nouveau arrêté et repassa en jugement. Cette fois, il fut condamné à perpétuité. Une fois de plus, dans les deux cas que nous venons d'évoquer, le fait qu'il s'agissait bien de meurtre n'était pas en cause, mais uniquement l'identité du meurtrier. Les problèmes liés au fait que l'accusé soit un médecin ne se présentèrent pas. À quel moment le refus de prolonger la vie d'un patient en phase terminale se transforme-t-il en meurtre? Et que se passe-t-il lorsqu'un traitement approprié, administré en cas d'urgence, cause la mort du patient et que plus tard on le considère comme un acte délibéré? Cette dernière question fut posée 10 ans plus tard lors d'une affaire qui fit sensation à Sarasota, en Floride. Le 23 juillet 1965, le docteur Carl Coppolino fut accusé du meurtre de sa femme Carmela. Elle était apparemment morte des suites d'une crise cardiaque quelques mois plus tôt. Les causes de son décès semblaient alors naturelles et le corps fut enterré sans avoir été autopsié. Les Coppolino venaient de quitter le New Jersey et de s'installer en Floride. Les nouveaux voisins du médecin pensaient que la mort de sa femme était pour lui une véritable tragédie. Ce fut donc avec surprise qu'ils le virent se remarier et se lancer de nouveau dans une vie mouvementée à peine 6 semaines plus tard. Le 28 octobre 1965, les déclarations d'une ancienne voisine du New Jersey, Marge Farber, firent l'effet d'une bombe. Elle se présenta au commissariat et déclara qu'elle soupçonnait le docteur Coppolino d'avoir assassiné sa femme dans le but de se remarier. Son histoire était quelque peu compliquée. Elle avait été la maîtresse du docteur et prétendait l'avoir vu étouffer son propre mari, le colonel William Farber, à la suite d'une crise cardiaque provoquée par des substances administrées par le docteur. On exhuma les deux corps et le docteur Coppolino fut inculpé de meurtre dans le New Jersey et en Floride. Son procès débuta le 5 décembre 1966 dans le New Jersey. L'autopsie du colonel Farber n'avait rien révélé, si ce n'est une fracture du cartilage au niveau du cou qui aurait pu être provoquée par strangulation. L'avocat de la défense de Coppolino, Lee Bailey, un homme expérimenté, souligna que Marge Farber n'avait jamais suggéré que Coppolino avait étranglé son mari. Bailey réussit à faire passer Marge Farber pour une ex-maîtresse jalouse et délaissée qui cherchait à se venger.
Coppolino, quant à lui, fournit une explication mesurée et convaincante de ses actions. Il donna l'image d'un médecin consciencieux, contrarié par un patient qui ne suivait pas ses instructions. Le jury du New Jersey le déclara non coupable, et Coppolino revint en Floride pour faire face à une accusation qui semblait moins importante. Au New Jersey, la défense se trouvait confrontée au fait que l'autopsie de la femme de Coppolino avait révélé des traces de substances toxiques qui, même en cas d'urgence, n'auraient pas pu être normalement prescrites par un médecin. Une fois de plus, Coppolino se défendit en avançant qu'il avait agi en médecin responsable. Mais le jury fut influencé par le témoignage de Marge Farber. Cette fois, le portrait de la femme jalouse, cherchant à causer la perte de son ancien amant, ne fut pas convaincant. Le 28 avril 1967, le docteur Carl Coppolino fut accusé de meurtre au deuxième degré et condamné à perpétuité. Beaucoup trouvèrent cette décision quelque peu étrange. En effet, dans un meurtre au deuxième degré, il ne peut être question de préméditation. En revanche, l'empoisonnement implique, selon toute logique, une planification et donc une préméditation. L'avocat de Coppolino décida de faire appel. Il exposa à la presse les raisons qui, selon lui, avaient conduit le jury à cette décision. Puisqu'il n'y a pas de preuve directe et que le prévenu n'a pas témoigné, la possibilité de la peine capitale a été exclue. J'imagine que c'est un cas très rare, un prévenu qui ne fait pas de déposition et qui est condamné à mort. À cause de cela et du fait qu'il n'y a pas de preuve directe, nous savions que le jury ne se prononcerait pas pour la peine capitale. Je pense que le verdict, dans un sens, a sa propre logique. Lee Bailey était convaincu que la cour casserait ce verdict. Qu'est-ce qui vous a fait penser qu'on était parvenu à un compromis ? Parce que le seul verdict possible, c'était le premier degré ou rien du tout. Mon client est accusé d'avoir empoisonné sa femme. On ne peut empoisonner quelqu'un, et surtout avec une substance qui agit lentement, sans préméditation totale et délibérée. Le jury affirme que ce n'est pas le cas. C'est sûrement parce que certains pensaient qu'il était coupable et d'autres non. Alors ils se sont mis d'accord pour trouver une solution intermédiaire. Êtes-vous sûr de gagner votre appel ? Oui, bien sûr. Le docteur Carl Coppolino passa 12 ans en prison avant d'être remis en liberté conditionnelle. C'est sur les mêmes débats de fond que s'ouvrit le procès du docteur John Bodkin Adams le 18 mars 1957 au tribunal de Old Bailey. Le procureur général, Sir Reginald Buller, avait décidé de conduire lui-même l'accusation. Le juge qui présidait se nommait Patrick Devlin. Il était connu pour son esprit incisif et le peu de respect qu'il portait au procureur général. La défense était dirigée par l'avocat de la couronne, Godfrey Lawrence. Il s'empressa d'affirmer que le comportement de la presse au cours de l'enquête avait porté préjudice à son client, qui devait néanmoins recevoir un jugement équitable. L'accusation soutenait qu'Adams s'était acharné sur Madame Morel, lui administrant des doses d'héroïne et de morphine de plus en plus fortes, après l'avoir persuadé de modifier son testament afin de lui laisser ses bijoux, son argenterie et sa Rolls-Royce. Les registres des pharmaciens prouvèrent que le docteur Adams avait commandé des doses considérables d'héroïne et de morphine les jours précédant la mort de Madame Morel et que toutes lui avaient été apparemment administrées. La première des quatre infirmières qui s'était occupée de Madame Morel vint témoigner. Hélène Stronach décrivit avec émotion comment la vieille dame avait commencé à divaguer et était devenue presque inconsciente. Elle déclara que ni elle ni les autres infirmières n'étaient présentes lorsque le docteur faisait des injections à sa patiente. Lorsque Godfrey Lawrence se leva pour l'interroger, il s'excusa de devoir la forcer à se souvenir de faits qui remontaient à si longtemps. Elle affirma que les autres infirmières, ainsi qu'elle-même, avaient pris des notes de ce qui avait été administré à Madame Morel. Hélas, ces notes avaient disparu depuis plusieurs années déjà. Lawrence fit remarquer que c'était regrettable, car elles auraient permis de débattre de faits très précis. L'infirmière Stronach, vexée par ces attaques qui semblaient mettre en cause sa mémoire, déclara « Oui, mais vous pouvez vous fier à nos dires. » Des membres de la défense arrivèrent alors au tribunal avec un paquet. Lawrence en retira trois cahiers et demanda à Madame Stronach de les identifier. Il s'agissait des fameux cahiers manquants. Un membre avisé de la défense les avait retrouvés dans la maison de Madame Morel.
On demanda alors à l'infirmière de bien vouloir lire les notes qu'elle avait prises les deux dernières semaines précédant le décès de Madame Morel. Elle avait affirmé qu'un jour, la malade avait divagué et était à moitié inconsciente. En fait, les notes la présentaient pleine d'entrain et savourant un déjeuner composé de perdreaux, de céleri et de pudding, le tout arrosé de limonade au brandy. Stronach fut totalement discrédité. On demanda alors à une autre infirmière, Madame Randall, de bien vouloir lire ses propres remarques. Elle avait prétendu auparavant que le docteur Adams avait administré une forte injection à sa patiente la veille de sa mort et qu'elle-même avait injecté une deuxième dose à 2h du matin, peu de temps avant le décès. Les notes révélèrent que la seringue du docteur contenait du paraldéhyde, un somnifère relativement sans danger. Il n'était nulle part fait mention d'une deuxième injection. Face à une accusation considérablement affaiblie, Lawrence débuta son plaidoyer réclamant le non-lieu. Suite au refus du juge, Lawrence affirma qu'il ne voyait aucune raison de soumettre le docteur Adams à rude épreuve en l'appelant à sa propre défense. Les cahiers apportaient les preuves suffisantes pour briser l'accusation dans le cas du meurtre de Madame Morel. Lors de sa récapitulation, le juge reprit cet argument. Il tomba d'accord sur le fait que ce n'était pas une très jolie histoire. Mais il y fit cependant remarquer que tous les coquins frauduleux ne sont pas forcément des assassins. Il termina en faisant écho aux paroles du docteur. « Meurtre, mais pouvez-vous le prouver ?» Le 17e jour de ce qui allait être le procès le plus long de l'histoire légale britannique, les membres du jury se retirèrent pour délibérer. Ils réapparurent au bout de 44 minutes et rendirent leur verdict. Le docteur John Bodkin Adams n'était pas coupable. À Fleet Street, Percy Hoskins du Daily Express, qui s'était élevé contre la chasse aux sorcières menée par la presse contre Adams, eut alors l'exclusivité de son témoignage. Le procureur général, Sir Reginald, annonça que ceci était le dernier cas qu'il jugerait contre le docteur Adams. Il allait être très sérieusement critiqué pour la façon dont le procès avait été préparé et conduit. Aux assises de Lewes, le docteur Adams lui-même plaida coupable. Il était alors inculpé de 14 fautes professionnelles concernant l'usage de médicaments. En novembre 1957, il fut rayé de l'ordre des médecins. Pendant tout le temps qu'il passa en détention, le docteur Adams reçut des cadeaux, des lettres de soutien et de nouveaux patients l'inscrivirent même sur leur testament. Il continua de soigner la population fortunée d'Eastbourne qui lui resta fidèle et fut finalement rétabli dans ses fonctions de médecin en 1961. Il vécut jusqu'en novembre 1983, consacrant de plus en plus de temps au tir. Il devint président de l'association du tir aux pigeons d'argile. Lorsqu'il mourut, il laissa une somme de 400 000 livres à partager entre 47 bénéficiaires. Bon nombre d'entre eux l'avaient soutenu au cours de son jugement. En 1985, le juge du procès, qui avait acquis le titre de Lord Devlin, publia un livre sur cette affaire, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Il conclut que le docteur Adams avait peut-être dit aux infirmières que les dernières injections contenaient du paraldéhyde, alors qu'elles renfermaient une substance beaucoup plus forte. Le paraldéhyde a une odeur très distincte, et aucune infirmière n'avait mentionné ce fait. Lord Devlin suggérait que le docteur Adams était probablement un tueur mercenaire plein de compassion. Un homme qui ne se considérait pas comme un meurtrier, mais comme un dispensateur de soulagement pour des patients en phase terminale. Cependant, comment justifier moralement l'euthanasie dès lors que le docteur Adams tirait profit de la mort calme et indolore qu'il procurait à ses patients? Un médecin qui soustrait à la douleur des patients en phase terminale en provoquant volontairement leur mort, est-il un assassin ? Ce problème reste aujourd'hui au cœur des débats de la société contemporaine.